Les axolotes, on est bien d'accord pour dire que c'est la créature la plus mignonne de tout Minecraft. Et pourtant, la pire créature, vous savez ce que c'est de tout Minecraft? C'est le Warden. Regardez-le, il est horrible. Et lui, je peux vous dire que si jamais vous le croisez en mode survie, vous êtes mort à coup sûr. Mais moi, la question que je me pose maintenant, qui est vraiment bizarre, vous trouvez pas? C'est que, ok, un Warden, c'est très méchant. Mais pourquoi est-ce que c'est pas méchant avec un axolote? Regardez. Il y a un axolote juste ici. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas attaquer l'axolote? Regardez, il l'ignore. Limite, il va le voir, regardez. Il est juste devant lui, il ne fait rien. Pourtant, je peux vous dire que si jamais, par exemple, je prends un mouton et que j'en mets plusieurs, regardez, il va le désingue, il va le déglingue, il va le déglingue. Et voilà, il déglingue le mouton. Ah ouais, non, mais je vous dis, hein, c'est un truc de ouf. Pourtant, si je mets plein d'axolotes, regardez, il va absolument rien faire. Regardez, il s'en fout, regardez, il se barre limite. Je comprends pas pourquoi Minecraft a fait ça. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une volonté de leur part? Regardez, il s'en fout, il va tuer les moutons. Une théorie dit que les axolotes seraient des wardens. Oui, oui, oui. Les wardens seraient des axolotes qui sont tombés dans le monde du warden et du coup se transforment en warden. C'est très bizarre, c'est très étrange, je sais. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange, regardez. Vous voyez que juste ici, j'ai tous mes skins pour mes vidéos. Et ici, sur le launcher, pour ceux qui jouent sur ordinateur, vous savez qu'il y a un bouton quoi de neuf tout en bas à gauche. Ce bouton, à quoi il sert? C'est un petit peu comme sur Fortnite, vous devez le connaître. C'est un bouton où en fait il y a écrit toutes les mises à jour du jeu, tout ce qu'il y a de nouveau dans le jeu. Sauf qu'il y a quelque chose de très étrange, vous voyez, là on a des textes qui sont normaux, qui nous expliquent les mises à jour, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le jeu. La sortie des Warden s'est fait le 25 mars 2021 sur Minecraft. Et si jamais on remonte sur le patch note du 25 mars 2021, vous allez voir qu'il y a quelque chose de très étrange. Alors là on est en septembre 2021... 25 mars 2021, on y est, c'est bon. Vous voyez, jusqu'ici, voilà, ils ont fixé un problème, ils ont ajouté un truc par rapport au GPU, mais regardez juste ici, il y a une ligne, un message codé très étrange, et je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, s'il vous plaît, ça? Pourquoi est-ce que parmi un texte géant comme ça, il y a des caractères hyper étranges qu'il y a nulle part ailleurs sur d'autres patch notes? Pourquoi le 25 mars 2021, il y a un texte étrange comme ça sur le patch note? C'est pas normal. Surtout le jour où les Wardens sortent sur Minecraft. Du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais donc envoyer un mail à Mojang pour comprendre ce que ça veut dire. Je suis obligé de savoir. Bon, déjà, en premier temps, il faut que je trouve le mail de Mojang. Vous voyez que là, actuellement, on est sur le site de Minecraft. Nous contacter. Il y a un bouton nous contacter. Je viens de cliquer dessus. Je viens de trouver une mail, c'est bon. Et on va l'écrire du coup à mojang@minecraft.com. Et en objet, je vais dire traduction message caché patch note du 25 mars 2021. Je vais leur écrire un petit mail. Bonjour, je suis youtubeur et je viens de remarquer que dans un de vos patch notes du 25 mars 2021 se glissait un message incompréhensible. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer ce que signifie ce message dans une langue que je ne connais pas? Voici une capture d'écran de ce même message. Et là les amis, regardez. Voilà, j'ai mis tout simplement l'image du message juste ici. On va voir si jamais ils vont me répondre. J'espère que oui, j'envoie le message. C'est parti. Écoutez les amis, j'espère qu'on aura une réponse de Mojang. Normalement on en aura une d'ici la fin de la vidéo. En tout cas, si jamais je vous parle, c'est que j'ai bien une réponse en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, ceci est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées. Si tu veux apparaître dans la prochaine vidéo, abonne-toi. On vient de passer à les 800 000, je vous en remercie infiniment. Maintenant on rush le million d'abonnés. Donc clique sur ce fucking bouton rouge, frérot. Mythe numéro 3 les amis, il y a vraiment quelque chose que je me pose comme question depuis longtemps et que je ne comprends pas. Donc là on est d'accord, on vient de parler des axolotes, des warden, il n'y a pas de souci. Mais là vous voyez que je suis actuellement dans le Nether. Pourquoi est-ce que dans le Nether tous les mobs, regardez, je vais mettre un wither squelette dans la lave, il n'y a pas de souci, il prend son petit bain tranquille, comme si c'était de l'eau. Je vais mettre juste ici un magma cube, pareil, il prend pas de dégâts dans la lave, va savoir pourquoi, parce qu'on est dans le Nether, c'est logique. On met un arpenteur, bon de toute façon j'ai pas besoin de les montrer, ils sont juste en bas ici là. Des fois tu les vois se balader tranquillou, ils sont là dans la lave, tranquille comme si c'était de l'eau pareil. Un blaze, bon n'en parlons pas, c'est carrément un mob qui crache du feu. Par contre, expliquez-moi s'il vous plaît, pourquoi est-ce que si je mets un piglin, alors déjà tu vas aller dans l'eau toi, enfin dans la lave plutôt. Pourquoi est-ce que si jamais je mets un piglin dans la lave, il brûle. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi est-ce que tous les mobs du Nether ne brûlent pas dans la lave et les piglins, oui. C'est illogique, je comprends pas. Du coup, je me suis posé une question et j'ai fait des déductions. Regardez les piglins, quand tu les fais spawn, ils ont des fois des armes, ils ont des fois des armures, des fois ils sont bébés également. C'est le seul monstre du Nether qui peut avoir des variantes comme ça. Quel est le seul mob dans l'Overworld qui peut faire ça? Ce sont les villageois. Regardez, il a une arbalète dans la main et puis il ressemble vachement aux villageois. Tu peux échanger avec eux, ça ressemble de ouf. Je suis désolé, mais entre l'axolote, le warden, qui serait au final
le même mob, je suis sûr que les villageois, ce sont les piglins du Nether. Et c'est pourquoi les piglins brûlent dans la lave. Je suis quasiment sûr de ma théorie, j'en suis certain. Pourtant, il y a quelque chose que je comprends pas. Regardez, si jamais les piglins étaient des villageois, quand ils seraient dans l'overworld, ils trembleraient pas comme ça. Parce que regardez, là, vous voyez qu'il est dans l'overworld, il est tout tremblant là, comme s'il allait exploser. Et normalement, au bout de 25 secondes, un piglin dans l'overworld se transforme en... Piglin zombie, vous venez de le voir. Sauf que attendez, je viens d'avoir une idée. Si jamais je prends un cochon et que je le mets juste à côté, est-ce qu'il va se transformer en piglin le cochon? Parce que les piglins, au final, il y a le mot pig dedans, ça veut dire cochon. Attendez. Faut que j'essaie quelque chose. Je vais mettre la météo en orage, comme ça, voilà. Là, il y a de l'orage maintenant. C'est parfait. Je vais prendre un trident que je vais enchanter juste ici. Voilà, je l'ai là, à côté de moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un piglin et je vais le tirer dessus avec ça. Et le cochon s'est transformé en piglin, regardez. C'est quoi ce bordel? Si jamais je tire sur un cochon, il se transforme en piglin. Au final, les piglins ne sont pas les villageois du Nether, ce sont les cochons du Nether. Bon, eh bien, écoutez, encore un mythe de trouver, les amis. Les amis, pour cette nouvelle théorie, est-ce que vous avez déjà fait attention? Depuis tout à l'heure, on fait que parler que les mobs de Minecraft seraient en réalité d'autres mobs cachés. Est-ce que vous avez déjà fait attention aux Undermans? Écoutez bien. C'est vachement brouillon, on comprend pas trop ce qu'ils disent en fait. C'est assez frustrant, on est d'accord. Sauf que moi je me suis fait une remarque les amis, c'est que les Underman, ce sont les seuls mobs qui peuvent porter des blocs. Et quel personnage de Minecraft est censé porter des blocs? On est d'accord pour dire que ce sont les humains. Les joueurs comme toi, comme moi, on peut porter des blocs. Regardez, là actuellement j'ai un bloc dans la main et voici un Underman qui porte un bloc d'herbe comme moi actuellement. Du coup je me suis dit, et si jamais ce que disaient les Underman était un message caché. Vous avez entendu les sons qu'on a entendu juste avant. Je vais essayer de faire quelque chose sur un logiciel, on va voir. Vous voyez les amis, juste ici, on a le spectre audio d'un message que pourrait dire l'Underman. Vous connaissez tous ce bruit de l'Underman? Vous le connaissez tous ce bruit, on est bien d'accord. Je vais essayer de le ralentir. Comment on peut faire pour ralentir un message? Alors je crois qu'il faut aller en haut sur multipiste. Voilà, on crée un multipiste. Ici je dois glisser le message de l'Underman. Voilà, qu'on a juste là, parfait. Je vais désormais pouvoir zoomer. Voilà, juste ici. Et là normalement, en cliquant là-dessus, je vais pouvoir augmenter le temps de message de l'Underman. Et si on écoute à présent le message de l'Underman. Vous entendez pas? Vous entendez? Il dit clairement hello. En anglais, bonjour. Il dit hello, j'en suis convaincu. Maintenant, désormais, j'ai envie de retourner en jeu pour essayer d'entendre tous les bruits que l'Underman pourrait dire pour voir si c'est des messages cachés en anglais ou en français, peut-être. Ok, juste en face de moi, j'ai un Underman, voilà. Et je vais faire une commande pour essayer d'entendre tous les bruits que pourrait faire un Underman. Hey! Il a dit hey! Il vient de dire hey! Ok, les gars, écoutez, c'est pas possible, il y a un problème là. Attendez. On a juste ici, les amis, tous les sons que l'Underman fait et dit dans Minecraft. Là, on est d'accord? Il dit hey, écoutez. Là, c'est hey. Ensuite, on a quoi? Oh! Vous avez entendu? What's up? Ça veut dire what's up? Il vient de dire what's up? Écoutez bien! Ça veut clairement dire what's up, comment tu vas? Écoutez celui-là. Look for the eye. Les yeux de l'Ender, look for the eye. Regarde pour les yeux. C'est exactement ce qu'il dit, ça coïncide totalement avec le jeu. Puisque l'Underman drop des yeux de l'Ender. Et c'est ce qui permet d'accéder au monde de l'Ender. Où il y a l'Ender Dragon avec, vous savez, l'endroit où il y a plein d'Underman. Oh là là les gars, on a fait la découverte de l'année. Eh les gars, je vous jure, c'est trop une dinguerie ce qu'on vient de découvrir. Attendez, ça a sonné chez moi. What the fuck? Qui c'est qui sonne? C'est toi qui as sonné? Bah non, j'entends mon mot. T'as entendu? Oui. Pourquoi t'ouvres pas? C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a écrit Mojang juste ici? Oh, je sais, c'était une réponse de Mojang au mail que j'aurais envoyé juste avant. Ok les gars, je crois que j'ai une réponse de Mojang, let's go. On va pouvoir voir c'est quoi enfin la vérité. Ok, j'ouvre. Oh bah heureusement les amis, j'ai un lecteur de carte SD puisque je suis youtubeur. Mais pourquoi ils m'ont pas envoyé ça sur une clé USB ou juste pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas répondu par mail tout simplement? Ok c'est bon, c'est fait, je vais le brancher sur le PC. Ok, alors là les amis, regardez bien, on est sur mon ordinateur vous voyez. Et juste ici, il y a la clé USB qui vient d'être ajoutée qui s'appelle Mojang Inc. Inc c'est quoi? C'est pour les entreprises ça, non normalement? Ok bon vas-y je clique dessus. Ok. Et là on a traduction message caché. Et juste ici on a une image. Je vais ouvrir la traduction message caché déjà. What the fuck, c'est un message de Mojang. Mojang Studio, vous voyez il y a bien le logo de Mojang Studio les gars, qui a été créé le 12 novembre 2023. Donc on est le 12 novembre 2023 en plus. Bonjour Brice, nous avons bien reçu votre message concernant votre intrigue envers les Warden et les Axolotes sur notre jeu Minecraft. J'ai préféré vous répondre par courrier et non par mail, car je ne suis pas dans la légalité de vous répondre par courrier électronique
au vu des secrets que je vais vous divulguer. Pardon. Donc là, il y a un employé de chez Mojang qui va me divulguer des secrets. Attendez, mais je sais même pas si j'ai le droit de vous montrer ça. Le message en question sur les mises à jour du launcher veut dire « Les axolotes ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être. » Je vous demanderai donc de ne divulguer en aucun cas ce que je viens de vous traduire et de ne pas le montrer au grand public. Ceci entrerait en encontre des clauses de confidentialité de Mojang. Les gars, je suis dans la merde là. Je suis en train de vous le montrer. Ça se passe comment? Je vais aller en prison! Pour mieux comprendre le message traduit ci-dessus, je vous invite à inverser l'image que je vous ai laissée dans la clé USB. Cordialement, employé Mojang anonyme avec une signature. C'est quoi cette signature? Donc c'est un anonyme, mais il me laisse quand même une signature. C'est quoi ce bordel? Bon, écoutez les gars, franchement, je comprends rien à tout ça. Il m'a demandé d'inverser l'image. Je comprends pas. Attendez, c'est quoi cette image là qu'il y a dans la clé USB? What? C'est quoi ça? Axolot et Warden. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas, ça veut dire quoi ça? C'est un Warden? Il y a un Axolot sur lui, ils ont l'air d'être copains. Ok. Inverser, ça veut dire quoi? Genre je le retourne comme ça? Je l'inverse? Non? Inverser, qu'est-ce que ça pourrait dire? Oh, attendez, j'ai une idée. Oh, j'ai une bête idée. Je vais lancer Photoshop, les gars. Donc il y a Photoshop qui est en train de se lancer. Et il y a un outil sur Photoshop qui permet d'inverser une image. Mais je crois que ça inverse pas dans le sens inverser. Ça fait quelque chose sur l'image, on va voir ce que ça fait. Ok, donc là on est bien d'accord, on est sur l'image en question que m'a envoyé l'employé de Mojang. Maintenant je vais aller dans filtre, est-ce que c'est dans filtre? Inverser. Voilà c'est ça, c'est exactement ce qu'il m'a dit, il m'a dit d'inverser. Donc je clique dessus, ok, négatif, ok, dac. Et d'accord, what? Ça change rien? Oh là non. Attendez, c'est une dinguerie les gars. C'est une dinguerie ce qui se passe là, attendez. Oui d'accord, là actuellement le Warden est vert, l'Axolot est rose. J'inverse l'image, boum, le Warden est rose. Et l'axolote est vert. Ça veut dire que en fait, l'un et l'autre, c'est pareil quand on les inverse. Rose, vert. Vert, rose. Ça veut dire que le Warden est l'axolote. Et l'axolote est le Warden. Oh la dinguerie. Wesh, c'est une dinguerie. Par contre, je sais pas où ça va m'amener parce que j'avais pas le droit de vous montrer ça. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu tout de suite sur la vidéo avant que j'aille en prison parce que Mojang voulait pas que je vous montre ça.